Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guide parler français couramment. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que vous devez faire quotidiennement chaque jour si vous voulez arriver à parler français couramment. D'accord? Donc je vais partager avec vous trois astuces ou bien les trois choses qu'il faut faire chaque jour si vous voulez arriver à parler français couramment. D'accord? Donc, première des choses que je vais partager avec vous, tout simplement, c'est que chaque jour, essayez, quand vous apprenez le français, essayez de l'apprendre ou bien de rendre le français comme un style de vie. N'essayez pas de considérer le français comme un module ou bien comme une matière qu'il faut apprendre. Vous savez pourquoi? Parce que si vous vous rappelez bien que on a étudié le français dès le primaire, le collège, le lycée, et après qu'on a eu notre bac, on a encore le problème du français. Pourquoi? Parce qu'on a toujours considéré le français comme une matière. Donc ça veut dire que cette méthode, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. D'accord? Donc ce que je vous demande de faire, c'est de rendre le français comme un style de vie. Il faut inclure le français dans votre quotidien. Essayez tout simplement de remplacer tout ce que vous faites en arabe. Vous regardez des vidéos en arabe, vous lisez des articles en arabe, vous parlez avec votre entourage en arabe. Essayez tout simplement de remplacer ça et le faire en français. Au début, c'est un peu difficile, mais avec le temps, ça sera plus facile pour vous. D'accord? Ça, c'est première des choses qu'il faut faire. Deuxième des choses qu'il faut faire, tout simplement, c'est de suivre la méthode que j'ai déjà partagée avec vous. Cette méthode, c'est très simple, mais c'est très efficace. Vous pouvez revenir sur les autres vidéos où j'ai expliqué cette méthode en détail. Bref, cette méthode, ça consiste d'écouter, lire et parler. C'est une méthode qui est très simple. Et ce qui détermine la réussite dans cette méthode, c'est que si vous les appliquez exactement avec la même chose que j'ai expliqué et avec le temps, c'est-à-dire que cette méthode ne fonctionne pas après un jour, après 2 jours, 3 jours, c'est avec le temps, au moins, c'est en 30 jours, vous allez voir des résultats impressionnants. D'accord? Donc, c'est la deuxième des choses. Il faut suivre la méthode que j'ai partagée avec vous. Troisième des choses qu'il faut faire chaque jour pour arriver à parler français couramment, tout simplement, il faut appliquer, il faut pratiquer tout ce que vous avez après dans la journée. Par exemple, dans la journée, vous consacrez 6 heures ou bien 5 heures ou bien 4 heures en français. Vous écoutez le français, vous regardez des vidéos en français, vous lisez des articles. Ça sert à rien de garder toute cette quantité d'informations dans votre cerveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir cette quantité d'informations. Il faut pratiquer, il faut appliquer ça, il faut dire ça. Vous lisez des articles, faites des résumés, essayez de faire un résumé oral avec vous-même ou bien avec un ami de vous, ou bien avec votre famille, avec votre entourage. Vous dites ce que vous avez appris de cet article. Vous avez regardé des vidéos, des documentaires. Essayez de partager ce que vous avez appris comme information. Vous avez compris, soit avec vous-même ou bien avec votre entourage. Comme ça, tout ce que vous avez en tête comme information, vous pouvez le partager avec les autres. Comme ça, vous allez rendre le français comme un style de vie, quelque chose qui devient bien pour vous. D'accord? Donc, en général, c'est ça les trois choses qu'il faut faire quotidiennement, chaque jour, si vous voulez arriver à parler français couramment. Donc, si vous voulez que je vous aide, je construis un programme personnalisé pour vous et vous accompagner jusqu'à arriver à parler français couramment, vous pouvez me le dire dans les commentaires ou bien cliquer sur le lien que vous allez trouver dans la description. Et voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.